Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. C'est une toute nouvelle formation qui va arriver en deuxième division directement. C'est l'équipe Q36.5. Alors, c'est une toute nouvelle formation, mais il y a quand même pas mal du personnel, on va dire, qui était dans l'équipe QBK ou NTT, mais avec un nouveau sponsor qui est Q36.5. Bien entendu, on ne reviendra pas sur la saison 2022 de cette équipe, vu qu'elle n'existe pas. On parlera des coureurs, on regardera un petit peu les coureurs à suivre. Et puis, on parlera du maillot. Il y a pas mal de choses à dire sur le maillot de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre dans cette formation, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à déterminer un peu les coureurs à suivre, vous allez le voir peut-être. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, à aller voir la playlist également, si vous avez raté des vidéos, que ce soit des vidéos des équipes Pro Team, des équipes également de World Tour. Et puis on va commencer tout de suite avec la saison de Q36.5. Donc on ne revient pas sur la saison 2022, on attaque tout de suite par les transferts. Dans les transferts, on va voir un petit peu où étaient les coureurs auparavant. Du côté de cette formation, on a décidé donc dans l'effectif de prendre 24 coureurs. Dans ces 24 coureurs, Gianluca Brambilla était à la Trek. Jack Bauer était chez Bike & Change, comme Damien Hausson. Tobias Ludvigsen qui était chez Groupama. Joey Roscoff était chez Human Powered Earth. Carl Frederik Hagen était chez Israël. Matteo Moschetti était chez Trek. Tom De Vrin chez Intermarché. Matteo Badialati chez Groupama. Simon Sagenoc chez Cofidis. Alessandro Fedeli qui était chez Holo Cometa. Camille Maliki qui était chez Lotto Soudal. Zukowski qui était chez Human Powered Earth. Mark Donovan chez Team DSM. Cyrus Monk qui était chez Mayo CN Pro Cycling Team, qui est plutôt un rouleur. Filippo Conca qui était chez Lotto Soudal. Antonio Pupio qui était dans l'équipe Israel Cycling Academy, donc l'équipe continentale de Israel Premier Tech. Nicolo Paradini qui était dans l'équipe QBK, qui est maintenant l'équipe de développement de cette formation. C'est pour ça que je disais qu'il y a des accointances assez fortes avec l'ancienne équipe QBK, Assos et NTT. Vous le voyez notamment à la gueule du maillot. Fabio Christen, qui était chez EF Education Nippo Développement. Walker Calzoni qui était chez Gialina Ecotec Lucchini, Colosio, c'est peut-être même Gallina Ecotec Lucchini Colosio. Nagasi Ailu Abrera qui était dans l'équipe QBK. Corey Davis chez Maloria Push Bikers. Filippo Colombo qui était chez Tudor, donc chez Swiss Racing Academy plutôt. Et Marcel Camprubi qui était chez Holo Cometa U23. Ce qui fait que l'effectif est composé de 24 coureurs. Le plus jeune, Fabio Christen, est à 20 ans. Le plus âgé est Jack Bauer qui a 37 ans. Pas grand chose d'autre à dire. On peut parler un petit peu du staff technique également avec Douglas Ryder. Qui est directeur général. Le directeur sportif, c'est Alejandro Sanz Vega. Et les assistants directeurs sportifs pour le moment, c'est Art Firouten, Gabriele Massaglia, Piotr Vadecki, Rick Reinerink. Et normalement, ils utiliseront des vélos Scott. Avec des roues zip et un groupe qui sera fourni par SRAM. Voilà pour cette formation. On passe au coureur à suivre. J'en ai décelé 4 dans cette équipe. Le premier pour moi, c'est Matteo Moschetti. Vous savez, c'est un coureur que j'apprécie, Matteo Moschetti. Et j'ai toujours dit que depuis quelques temps, ce coureur était très mal utilisé. J'ai toujours trouvé que ce coureur était très mal utilisé. Du côté de la formation Trek. Pour moi, c'est un sprinter et on lui a soit jamais donné de train de qualité, soit c'était toujours le bordel. Parfois, il a fait poisson pilote. Parfois, il avait Jacopo Mosca comme poisson pilote, ce qui fait que c'était vraiment pas top. C'est un coureur qui est capable de faire des très bons résultats, mais il faut lui donner les outils pour le faire. C'était pas ce que lui donnait la Trek. Et moi, j'avais dit,
l'année dernière, j'avais dit, dans sa dernière année de contrat, regardez quand même, parce qu'un coureur comme ça qui est dans sa dernière année de contrat, ça peut être un coureur intéressant. Je ne sais pas si j'en avais pas parlé lors de sa victoire autour de la communauté de Valence. Alors, il a gagné également une étape sur le Tour de Rhodes, deuxième de la première étape du Tour de Sicile, cinquième et sixième sur les deux premières étapes du Tour de Hongrie, deuxième de la dernière étape de la route d'Occitanie, cinquième de la troisième étape du Tour de Wallonie, et c'est un peu tout en termes de résultats. Donc, c'est pas sa meilleure saison, et je pense qu'il avait besoin de changer d'air, il avait besoin aussi d'être leader, et je l'avais dit, pour une équipe de deuxième division, c'est un coureur qui peut avoir ce statut de leader, qu'il aurait peut-être du mal à avoir dans des très grosses formations de World Team, de World Tour, pardon. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Matteo Moschetti. Il se retrouve à être dans une équipe de World Tour, et ça, c'est très satisfaisant. Et c'est un coureur qui, en plus, n'a que 26 ans, donc ça reste un coureur jeune, et qui aura le statut de leader au niveau des sprints. Et l'avantage, c'est qu'il va avoir en plus du monde pour l'emmener, parce qu'on a du Jack Bauer, on a du Tobias Ulbixen, notamment, donc on a des bons rouleurs pour emmener les sprints. C'est Cyrus Mong également, il y a Sajnok, je ne sais pas s'il sera sprinter ou poisson pilote, Damien Lawson également, Badilati, Tom De Vrindt, ils ont des bons coureurs pour emmener les sprints. Même Zukowski également, le Canadien, et qui peut avoir ce rôle-là. Donc ça va être très intéressant. Philippe Okonka aussi. Enfin voilà, ils ont des coureurs pour emmener les sprints, pour faire un train. Et Matteo Moschetti, ça pourrait être très intéressant pour lui. Alors est-ce qu'il fera les grands tours cette année? Peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation où pour Moschetti, il est dans une équipe qui est toute nouvelle, qui est suisse, qui n'est pas italienne de licence. Or, vous avez d'autres équipes italiennes, hein. Vous avez notamment Eolo Cometa, la Bardiani. Alors certes, certains diraient qu'il n'y a plus de Renouper, oui, mais on a récupéré la Coratec. Donc ça va peut-être être compliqué pour cette formation pour aller sur les grands tours. On continue avec Gianluca Brambilla. Dernière saison très compliquée du côté de la Trek, où il a en fait très peu couru. Seulement 45 jours de course sur la saison. Il a arrêté même son année au mois d'août au Tour de l'Ain, sur une 9e place sur le Tour de l'Ain. Abandon sur le Tour de Suisse, sur le Tour de Norvège. 26e du Tour de Romandie, 15e du Tour du Pays Basque, 17e du Grand Prix des Industries. La semaine internationale Copier-Barty est finie 8e. C'est un coureur qui est capable de gagner des courses de 4-5 jours un peu vallonnées. Il l'avait montré notamment lors de sa victoire du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. C'est quelqu'un qui a encore des bonnes qualités de grimpeur, puncher. Alors certes, il n'a plus les jambes de ses 20 ans, parce qu'il en a quand même 35, qu'il a pas mal d'années dans les pattes, désormais. Mais ça reste un très bon coureur, qui a souvent eu le statut d'équipier. Bon, là, il pourra peut-être un peu plus choisir ses courses. Il pourra peut-être également être baroudeur sur les grands tours, parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde en montagne. Je pense que c'est un coureur qui a les qualités pour faire du très bon travail. Notre ami Gianluca Brambilla, et moi, je pense qu'il a perdu les jambes qu'il avait quand il gagne le Tour d'Italie, enfin une étape du Tour d'Italie ou une étape du Tour d'Espagne. Et sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, il avait fait du bon boulot également, hein. Pendant ces 3 jours de course, on se souvient, il avait complètement renversé la course qui semblait maîtrisée du côté de la Groupama. Je crois que c'était David Gaudu qui avait le maillot de leader. Il avait complètement renversé la course en créant une échappée, et ça avait été vraiment une dernière étape. Je m'en souviens un petit peu de cette dernière étape. Je me souviens que c'était un très très beau spectacle. Je pense que voilà, du côté de la Trek, l'année dernière, ça ne s'est pas très bien passé. Il avait envie d'avoir un nouveau projet. C'est un coureur qui a 35 ans. C'est un coureur qui a désormais de l'expérience. Il est passé aussi chez Omega Pharma Quickstep, chez la Bardiani aussi, dans ses premières années de carrière. Donc c'est un coureur qui a les qualités, je pense, pour apporter son expérience à cette formation et pour être aussi capitaine de route pour les plus jeunes pousses de cette équipe. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans cette formation, mais vous avez 9 coureurs qui ont moins de 25 ans et vous avez quand même pas mal de coureurs qui ont 30 ans ou plus. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9 quand même sur 24 coureurs. Donc voilà, je dirais qu'on a un tiers de chaque à peu près au niveau de l'effectif. Je poursuis avec un autre coureur à suivre, c'est Tobias Lubinson, 31 ans. Tobias Lubinson qui a quitté la Groupama. Moi je pense que c'est une perte pour la Groupama parce que c'est un mec qui faisait vraiment du très très bon travail pour les sprints. Ça a toujours été un rouleur qui s'est souvent sacrifié pour ses leaders. Mais on oublie un petit peu que Tobias Lubinson, quand il était notamment chez Argos, c'était un coureur qui était capable de jouer les classements sur les courses de 4-5 jours. Notamment, il a remporté l'étoile de Bessèges en 2014. Il a également fini deuxième de l'étoile de Bessèges en 2019. Aussi troisième du Tour de la Sarthe en 2013. Et il a fait également des top 10 sur des étapes de grands tours. Donc là aussi, un coureur intéressant déjà pour Moschetti. Mais pourquoi pas tenter de jouer sur certaines courses ses cartes personnelles, ce qu'il ne pouvait plus faire à la Groupama, parce qu'il y avait des coureurs qui étaient meilleurs dans ce registre-là. Je pense Madouas, je pense Godu, je pense Pinot. Et c'est vrai qu'il a eu un rôle d'équipier énormément pour Arnaud Démare dans ces dernières années. Et bien là, il va retrouver peut-être un rôle un peu plus important, peut-être un rôle un peu plus de leader. Sur ce genre de course. Et puis n'oublions pas également que c'est un excellent rouleur, donc sur des courses un peu moins importantes peut-être jouer également les contre-la-montre. Enfin voilà, c'est un coureur qui peut faire des très belles choses, ce qu'il a un peu négligé ces dernières années. Et bien là, il va peut-être pouvoir retrouver des bonnes jambes, un nouveau challenge également. Et puis à 31 ans, bah, il a encore pas cramasse, je pense. Donc c'est un coureur qui peut vraiment être très intéressant. Et puis encore une fois, emmener les sprints également pour Moschetti, pour les sprinteurs de l'équipe, ça peut être pas mal. Et puis je termine avec Alessandro Fedeli, 26 ans Fedeli, alors qui fait partie de ces nombreux coureurs passés par Gazprom l'année dernière et qui a dû changer d'équipe en cours de saison. Lui, il avait retrouvé Holo Cometa au mois de juin. J'ai pas l'impression que ça s'est bien passé chez Holo Cometa. C'est un coureur qui, je trouve, a mis du temps avant de montrer son top niveau, notamment quand il était chez Delco. Sa première année chez Delco avait été, je trouve, assez compliquée. Et ensuite, ça a été un peu mieux. Je pense que c'est un coureur qui n'a pas encore exploité l'entièreté de ses capacités physiques. C'est un sprinter puncher, Fedeli, qui est capable de faire des très bons résultats. Maintenant, il faut que les équipes le mettre enfin qu'il arrive à trouver des bonnes conditions pour performer. Là, il a un an de contrat. C'est un mec qui peut gagner des belles courses sur des étapes de puncher. Deuxième du Grand Prix Industria, notamment cette année au mois de mars. Cinquième et quatrième des deux premières étapes du Tour de Sicile. Quatrième de Per Sempre Alfredo. Deuxième du Tour d'Antalya, Fedeli. 11e de Prueba Villafranca, aussi 13e de la première étape du Tour de Castille et León, du côté de Holo Cometa. Sur le Tour du Limousin, ça avait été un petit peu plus compliqué. Lui qui a déjà remporté une étape sur cette course, une étape également de la Croix-Rest, une étape du Tour de Rwanda. Donc c'est un coureur voilà, qui a déjà fait des très bonnes choses dans sa carrière, avec une équipe un peu plus importante que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, avec un projet neuf. Peut-être que ça peut être intéressant. Et puis Fedeli, 26 ans, voilà, il se retrouve dans une équipe où il n'aura pas trop de concurrence non plus. Donc ça, c'est toujours un avantage, puisque sur ce rôle-là de sprinter-puncher, Moschetti n'est pas forcément le sprinter qui passe le mieux les bosses. Pour Fedeli, c'est un peu complémentaire. Donc ça peut être très intéressant pour cette équipe. On passe au maillot. Alors déjà, du côté du maillot, vous avez l'image. On sent un petit peu la ressemblance avec le maillot de QBK Assos. Pour ceux qui se souviennent, l'équipe d'il y a 2 ans où il y avait pas mal de gris. C'est dégueulasse. Voilà, je trouve le maillot dégueulasse. Y a une tache noire au milieu. T'as l'impression que si ils ont utilisé le pistolet à peinture dans Paint, c'est ce truc là, ce qui permettait de faire des ronds comme ça, et ça faisait des, et plus t'appuyais, plus la couleur était nette. Et si t'appuyais qu'un coup, ça faisait pas une couleur très nette sur la page blanche. J'ai le sentiment là, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec un maillot. Je trouve. Alors. On va les reconnaître parce que c'est vrai que cette couleur-là, personne n'a utilisé de l'argent, une sorte d'argent gris, on ne sait pas trop.
mais je trouve le maillot dégueulasse, vraiment. En plus, ils ont fait, faut savoir que, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais ils ont fait une révélation comme ça, en faisant un petit teasing pendant toute la journée. Et je suis tombé sur la vidéo et ils révèlent le maillot, t'as l'impression que c'est un truc exceptionnel. Non, il est dégueulasse, votre maillot, les mecs. Il y a aucune inspiration, enfin, voilà. C'est vraiment pas top pour cette formation. Soutenu, on rappelle, par Nibali, cette équipe. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !